Est-ce que vous connaissez beaucoup de festivals dans le monde dont l'ouverture se passe dans un stade? C'est nous qui l'avons inventé au Burkina. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, fête aujourd'hui son 20e grand rendez-vous. Le festival de Ouagadougou existe parce qu'il y a un public fidèle qui prend d'assaut tous les soirs les salles de cinéma durant le FESPACO. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est que le FESPACO est une manifestation authentiquement populaire. Ben écoutez, vous aviez eu l'occasion de le constater. La ville, elle est bouillante. On sent vraiment un changement parce que vous retrouvez presque tout le monde du cinéma, du monde entier, à Ouaga. Vous sentez Ouaga qui devient le Hollywood africain. Et ça, il n'y a rien de plus beau que ça. Ça fait de belles rencontres. On découvre les cultures d'autres pays et surtout avec le thème du FESPACO de cette année, cinéma et diversité culturelle. Je crois qu'on a besoin les uns les autres d'apprendre des uns et des autres de leur culture et de tout ce qui peut faire de ce beau monde. D'aucuns pourraient penser l'Afrique avec tous ses problèmes de santé, d'éducation, de route, d'eau, de développement de façon générale. Est-ce que le cinéma n'est pas un peu comme un luxe pour nous? Moi, je dis non, ça n'est pas un luxe parce que personne viendra raconter les histoires à notre place. Il fallait qu'on se l'approprie, qu'on s'en serve. Je suis dans deux films qui sont en compétition, deux films burkinabés. Donc le premier c'est Code Phoenix de Boubacar Diallo et puis le deuxième Le Monde est un ballet de Issa Traoré de Brahima. Bien, l'hélico présidentiel va nous amener. Le président nous attend dans son village. Dans Code Phoenix, j'incarne le rôle d'une femme premier ministre d'un gouvernement en difficulté. Vous allez voir un peu Delphine Ouattara en premier ministre, femme de fer, au devant d'un gouvernement qu'elle dirige avec beaucoup d'autorité et de confiance. On en a besoin, les femmes, et on sait le prouver aux hommes. Donc tout ce que nous portons à l'écran, tout ce que nous faisons au cinéma, ce sont des choses de la vie qui nous ont inspiré ça. Donc ça veut dire que c'est l'un dans l'autre, c'est des faits de société que nous essayons de développer avec de la satire, dans la fiction, pour essayer peut-être d'aider aussi les gens à changer pour une meilleure mentalité dans la vie. Ce qui est sûr, le cinéma, c'est aussi cet art qui éduque les gens.
auteurs d'aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années et que par conséquent, il y a d'autres approches au cinéma, d'autres relations au cinéma et d'autres, j'allais dire, sensibilités. Qu'est-ce qui se passe? Elle est très malade. Calme-toi, Nadia, j'arrive. Je ne sais pas de faire un film qui marche commercialement. Je ne suis pas dans cette logique. Je suis comme un artisan qui essaie d'exprimer quelque chose. Film que nous, les Africains, on fait. C'est très important qu'il soit vu par les Africains aussi. Il n'y a pas d'industrie de cinéma. Nous n'avons pas les métiers de producteurs dans nos pays. Nous n'avons pas les métiers de distributeurs, d'exploitants. Donc ce sont les auteurs qui ont pris en charge toute la dynamique de l'existence même d'un cinéma en Afrique. Il manque un papier. Comment ça, il manque un papier? J'ai tout vérifié, j'ai tout. Il manque la quittance d'électricité. Je peux pas l'avoir, j'ai pas un sou, je suis incapable de la payer. Désolé, l'Afrique ne peut accueillir un immigrant qui a des dettes. Tenez. Allez pleurer ailleurs, s'il vous plaît. L'un des changements positifs, c'est une augmentation quantitative du nombre de films qui sont réalisés. Non pas sur support celluloïde, mais sur support numérique. Et par conséquent, ça permet à plus de femmes et d'hommes professionnels de faire des films qui rencontrent les publics africains. Vous savez que dans ce festival-ci, il y a un panel sur cinéma d'auteur versus cinéma commercial. Bon, c'est bien qu'on se pose la question, parce que c'est vrai que nous ne pourrons pas continuer indéfiniment à faire un cinéma qui serait un cinéma d'auteur. Nous avons besoin qu'il y ait une économie qui se bâtisse et que nos films rapportent de l'argent pour permettre à d'autres films de se faire. Fruit de la passion. Très prochainement sur vos télés. Ma série de TV, Fruit de la passion, parle des conséquences de la passion. La télévision, plutôt, c'est l'école primaire et le cinéma, c'est le collège. Quand j'aurai les moyens pour faire du cinéma, ce film-là va encore revenir au FESPACO et ce film peut partir maintenant comme film étranger dans le Festival de Cannes. Et Hollywood. Parler de mode ici en même temps que le FESPACO, c'est une évidence parce que vous voyez, on est dans la rue, les gens sont habillés, c'est coloré, c'est gay. Les femmes en particulier font un effort sur leur tenue. Donc il y a vraiment une notion de l'élégance et de la beauté qui est importante. C'est un marché universel, mais simplement les créateurs africains souffrent d'un manque de reconnaissance. C'est pour ça, je crois que c'est pour ça qu'on fait des manifestations comme celle-ci, pour justement les faire connaître. Voilà.
Dans l'Ouest, de Sergio Leone, des choses comme ça. Oui, oui. Bon, il y avait un monsieur qui jouait l'harmonica, là, des fois. On retient, voilà. On retient toujours quelque chose. Il y a quelques artistes africains qui sont très bien connus sur la scène mondiale, internationale. Mais derrière ça, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Si vous nous permettez, mesdames, messieurs, nous allons essayer de faire un tout petit peu de musique. En termes de tendance, je parlerai de coupé décalé, je parlerai de la musique mandingue aussi, je parlerai du rap, je parlerai de la musique fusion. Fusion entre la musique moderne et traditionnelle qui commence à vraiment intéresser les Burkinabés. Oui, on ne peut pas parler de la musique sans parler de danse. Il y a différentes sortes de danse ici. Il y a une danse pour le djembé quand c'est la kora. Il y a une danse pour la kora quand c'est les mandins qui chantent. Il y a une danse pour ça. Il y a différentes danses adaptées à tous les rythmes musicaux. Thank you.
Togo. Like I said, I hope we will look at this and then ask, what is this? What was this given to him for? And then they will find Ezra. And then seeing Ezra, what is Ezra about? It's about child soldiers. What is that about? And I hope that that works that way. C'est ça qui est extraordinaire avec le cinéma. C'est l'aventure humaine que tous les films célèbrent, et c'est ça que le FESPACO a su mettre en avant et nous montre que malgré toutes les différences qu'il y a en termes de développement économique, l'homme est le même partout. Maman Koroniki, Tine, Tipo Osniga.